Bonsoir. Et Fulen donc. Et bien manger. Était bon jusqu'à. Oui, comment mes dents sont sorties, non? L'endor là, vous étiez là. Bonsoir, André. Quand il veut l'endor sur le direct, c'est là que même l'odeur là, vous pouvez venir prendre l'odeur de ma nourriture. Dans Mongolo. Ouais, Audrey. Après, bon repas. Vous n'avez rien avalé. Viens manger seul. Voilà les os là-bas. Il m'a seul. Prenez de quoi noter. Je vais vous dire des choses très importantes ce soir. Merci Paulette depuis le Gabon. Moi aussi, je vous adore. Le Gabon, c'est le premier pays où je suis arrivé. On m'a accepté à bras ouverts. Les Nganga, c'est un métier reconnu. Hein. Quand tu arrives à l'aéroport, tu dis que tu es Nganga. On te laisse passer. Dans les autres pays, on commence à faire ça. Nganga, c'est quoi? Les Gabonais, vraiment. Au Cameroun, quand quelqu'un te reconnaît, il va se cacher. Après 2 heures de temps, il force, il vient te dire que je te vois souvent sur TikTok. Au Gabon, quand quelqu'un te voit, 3 secondes. Madame, je vous vois sur TikTok. Oui. Joachim, tu m'as déjà acheté le poisson. Tu voulais la tête de mon poisson, pourquoi? Et comme les Camerounais sont très hypocrites, très mesquins. Le Gabonais va te dire directement que voilà, j'ai moi mon problème, hein, je vais venir te voir. Le Camerounais va tourner. Un jour, j'arrive à l'aéroport ici au Cameroun. J'avais raté mon vol. Je vois deux personnes se mettent à côté, surtout une femme officier de police. Je ne connais pas les grades là. Les grades. Ne connais pas. Je vois seulement quand elle vient. Elle reste peut-être à 3 mètres de moi. Elle me regarde. Elle me regarde. Elle appelle un des gars là. Et moi, je connais que la police. Je suis vraiment désolée. Si elle est les gendarmes ou les femmes policiers qui me regardent, excusez-moi, je n'ai rien contre vous. Mais souvent, vous cherchez trop les problèmes pour lui. Donc, quand elle me regarde, je dis que ah, ou la femme, s'il va encore quel problème avec mon audio. Que j'ai raté mon vol, je suis allé rentrer à la maison, je vais venir demain prendre le prochain vol. En fait, elle voulait ma carte de visite, mais elle n'osait pas venir me demander. Elle n'osait pas venir me demander. Donc, elle a envoyé les petits gars là. Madame, la femme se demande votre carte de visite. J'ai donné. Maëva, tu as fait un document, même en inbox sur WhatsApp, t'es vu. Tu venais me dire bon appétit, pourquoi? Oubliez ma nourriture, oubliez que j'ai mangé. Bye. Bon, parlons maintenant des choses importantes. Vous avez pris votre cahier, non, pour noter. Ok, je veux. Moi, je suis vraiment une grande partisane ou croyante qu'on n'a pas forcément besoin de la banque.
pour lancer son business. Il y a un livre que j'ai lu qui m'a beaucoup aidé, qui m'a changé vraiment. L'homme le plus riche de Babylone. Richest Man of Babylon. Vous voyez, peu importe le pays où vous êtes bloqué dans le système. Vous êtes bloqué dans un système. Mais je suis convaincue que c'est possible de sortir de ce système en changeant ton système de pensée. On commence toujours par sa façon de penser. Je sais que ce qu'il va dire aujourd'hui sur les 100 femmes qui vont écouter ceci, après j'aurai peut-être 2000 vues sur cette vidéo, 3000 vues, 4000 vues, je sais pas. Partager, ça va aider les gens. Je vais d'abord vous dire pourquoi j'ai engagé cette route. Pendant des années, j'avais un rêve. Et je galérais beaucoup. J'ai fait 6 ans en Europe sans papier. Et j'attendais que quelqu'un d'autre, j'attendais qu'un homme vienne me financer. J'attendais. En fait, ça ne venait pas. Tu rencontres un homme, tu as même ton petit argent que tu économises avec tes papiers. Tu as même pris les cartes, les cas de quelqu'un. Vous connaissez un peu. Tu prends le cas de quelqu'un, tu pars, tu travailles un peu ton petit dos que tu as là. Tu rencontres un Joe qui a tout, hein, il a les cartes, il a tout. Ah! Même le peu là. Vous vous dites, règle numéro 1, ne sortez pas avec un Joe qui a trop d'argent. Vous avez que les règles de base de la reine, je suis nouveau. Moi, je sortais toujours avec les gars qui avaient les dos. Quand je vais te faire un cadeau, je ne vais pas t'acheter la chaussure Hugo Boss. Vais pas sortir mes 150 pounds pour acheter ta chaussure Hugo Boss. Parce qu'il voit dans ton amour, il n'y a que les chaussures, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Hugo Boss. Donc tu as un niveau de vie. Et généralement, ce genre de personnes est déjà bloquée dans ses factures. Écoutez, les femmes qui veulent toujours aller chercher les hommes qui ont l'argent là, ah, il a déjà une belle situation. Il a une maison. Monsieur, madame, il a le mortgage qu'il doit payer tous les mois. Il y a des gens en France là-bas que vous payez 2500 euros de traite sur votre maison par mois. Peut-être vous avez deux appartements. Donc vous êtes bourré de. Peut-être vous cherchez les hommes qui ont les. Il a une grosse voiture. Il paye la voiture à 800 euros le mois. L'assurance, les traites de sa maison. Ce qui fait que quand tu vas entrer dans sa vie, tu te débrouilles aussi un peu. Une femme qui gagne ses 800 euros le mois. Qui ordonne. Je vais vous montrer les secrets que moi j'ai développés. J'ai pris ça dans les livres. Il y a un monsieur, pour ceux qui écoutent l'anglais, si tu comprends l'anglais, écris le nom de ce monsieur. Il s'appelle Sunday Adelaja. C'est le monsieur qui a l'église, la plus grande église d'Ukraine. Son église est à 98% des blancs. Et c'est un Nigérian. Sa femme est Nigériane, ses enfants sont Nigériens. Mais il a développé une sagesse. J'ai absorbé ses enseignements. J'ai aussi lu d'autres livres. The Millionaire Fastlane, The 4-Hour Week, L'effet cumulé. L'effet cumulé en anglais, ça s'appelle comment? Si quelqu'un connaît, il peut écrire. L'effet cumulé. L'effet cumulé te fait comprendre que les petits efforts que tu mets ensemble chaque jour, sur une longue période, tu peux faire ça sur un an. C'est après un an et 3 mois que tu commences à voir les résultats. Alors qu'une autre personne va simplifier ça. Il va dire, donc, il y a des habitudes comme économiser. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas appris à économiser. L'économie de la tontine, c'est différent. Parce que généralement, quand on va te mettre votre argent dans la tondine, on va te mettre là-bas parce que vous allez bouffer pour aller impressionner les gens avec. Ok. Attendez, je vais d'abord me moucher. Je vais vous dire la vérité ce soir.
Ce n'est pas parce que tu as une grosse maison aujourd'hui que tu vas réussir, moi je vais échouer. Si je mets les bonnes stratégies en place, c'est une question de temps avant que je te rattrape, je te dépasse. Il y a des gens qui sont dans le même boulot avec les mêmes factures depuis 10 ans que tu les connais. Toi, si tu observes bien ta façon, depuis que tu m'écoutes là, ça fait 3 mois que tes revenus ont changé. Parce que tu as déjà débloqué en toi cette capacité à attirer l'argent. Et ça va aller croissant, ça va augmenter. Je vous parle tous les jours de l'intuition. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'intuition. Je vais vous donner des règles de base financière. Il y a les règles financières spirituelles que les bouddhistes, les hindous, peu importe les qui, ils mettent en pratique. J'ai compris que la dîme, ce n'est pas seulement les chrétiens qui paient la dîme. Pas seulement les chrétiens. J'ai beaucoup de personnes qui enseignent la prospérité au fil des années. Je suis vraiment un student, je suis une élève de la connaissance. Et je me suis rendu compte que beaucoup de ces enseignants disent toujours 10% de ton revenu, ça part là où tu es nourri spirituellement. Donc, ils reconnaissent qu'il y a cette partie spirituelle. Pour certains, ça part chez leurs imams. Pour certains, ça part chez les... Et c'est différent de l'argent que tu peux donner aux orphelins. C'est seulement que quand vous êtes encore chiche, vous êtes dans la mentalité de chiche. Quand tu reçois ton salaire, tu penses que c'est petit. Aucun salaire n'est petit. La première chose que tu vas faire, j'ai donné la première règle, on ne sort pas avec un gars qui est riche. On ne sort pas avec un gars qui a l'argent. Pendant une semaine, tu vas mettre l'application ici dans ton téléphone, MoneyFi, MoneyFi, écrivez ça ici, la MoneyFi, M-O-N-E-F-Y. Allez sur Play Store, téléchargez ça. Pendant une semaine, tout ce que tu dépenses dans la journée, écris dans MoneyFi. Après 3 semaines, je dirais même une semaine, je vous apprends à être votre propre docteur. Je sais que ce n'est pas les gens déjà. Vous aimez les discours, on va venir parler, on va faire le toli que telle personne a couché avec telle personne. Moi, je ne vous donne pas le genre là. Vous devez devenir riche. MoneyFi, MoneyFi, F-Y, pas 5. MoneyFi, M-O-N-E-Y. FY, MoneyFi, voilà. MoneyFi, Alliance, tu as bien écrit ça. Tu vas te rendre compte que quand tu dis que je n'ai pas l'argent, personne ne veut m'aider. Ma chérie, ce n'est pas que tu as l'argent, pas l'argent. Mais ton argent part dans des choses qui sont futiles. Je me rappelle la période où j'ai commencé ça, je me suis rendu compte que je mangeais trop le poisson braisé. Oh, Jocelyne, oh, je vais vous dire mes choses. Je mangeais trop le poisson braisé, les brochettes. Pardon, si vous mangez aussi comme moi, écrivez aussi là. Écrivez ici, si c'est le poisson braisé, écrivez. Ils ont les glaces, écrivez pour vous. Et vous avez sûrement peut-être remarqué, il y a le Starbucks. Moi, quand j'étais en Angleterre, Starbucks et moi, oh, Starbucks, oh Jesus, Starbucks. Il y avait aussi les cookies de Maïlys. Faisait de bons cookies. Parce que mon temps a acheté ça. Pour moi, en fait, ma règle, c'est que chaque fois que je sors du métro, si je passe devant Maïlys, je dois acheter un cookie. Et je me disais toujours, mais c'est 1 euro, non? 1 pound. C'était 1 pound. C'est vraiment 1 pound, non? Et je ne vois pas m'arrêter ça, acheter au moins 3. Et il y avait les cupcakes de. Il y avait Sainsbury. Il y a un autre magasin des riches là en Angleterre.
L'autre, pour toi, c'est les glaces et brochettes. Le pot brisé. Le pot de tombe. Les porcelains de tombe, là, ils vous confirment. Quand j'ai commencé ceci, dans mon budget, le porc était beaucoup. Maintenant, 3-4 ans plus tard, je peux manger même le porc de 10 000 par jour. Ça ne change rien sur mon argent. Voilà M&S, Amélie, que tu connais. M&S faisait il faisait des des cupcakes, vraiment. Amélie, j'étais bénie. M&S avait les cupcakes, avait une crème sur ça là qu'est. Chaque fois qu'elle passait au centre-ville comme ça, là, j'étais fâchée. Elle devait passer là-bas, acheter ça. Et c'était bon. Et bonsoir, Eliane. Poisson brisé. Orangina. Orangina, c'est 700, hein. Les anneaux, c'est 800. Ce n'est même pas 500. La pizza. Ok, bon. Je me suis rendu compte que là, en moyenne au Cameroun, on achète un jus par jour à l'enfant. Fois 7, ça fait 2000. Non, 7 fois 500. Ça fait combien? 3500 par semaine. Et si sur 5 jours, tu achètes un enfant, un pour toi, tu ajoutes encore 2500 sur les 3500 là. Ça veut dire que par semaine, tu te retrouves en train de dépenser 8, 6000. Sur le jus. Sur le. Et après, tu pars encore à la maison, tu dois boire l'eau. Il y a des époques de ma vie où je n'ai pas acheté l'eau. Je n'achetais pas le Tanguy. J'avais acheté le kettle 5 000 francs CFA. J'avais acheté peut-être deux palettes d'eau. On a bu, on a gardé les bouteilles. Je fais bouillir de l'eau. Une grande marmite. Ou dans le kettle. Je laisse ça overnight, ça se refroidit. Dès qu'elle voit que ça ne peut plus toucher le tanguy, ça gâte. Je verse dans le tanguy, je ferme, je mets et je fais bouillir ça même 5 minutes. Je mets au frigo. Je n'achetais pas l'eau. L'eau pour moi, au temps-là, c'était un budget énorme. 250 par jour. Moi et ma fille, ça faisait 500. Je sais que vous allez me dire que c'est trop extrême. Écoutez bien mon train de pensée. Ce que je vais vous expliquer, ça va fonctionner dans peu importe le pays où tu te trouves. Au bout d'une semaine, assois-toi, tu observes ton budget que tu as dépensé. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses que quand tu dépenses, tu vas te dire, ah, je ne peux pas quand même me priver de ça. Par exemple, les Africains qui mangent africains en Europe. Je pense que c'est du gâchis. Je précise que tu as des objectifs que tu vas atteindre. Vous m'écoutez? Bonsoir à la reine Justine. Donc, tu es sur 1 000 euros le mois. Chaque fin de mois, c'est serré sur toi. Tu ne sais pas comment tu peux faire. Et tu as même encore les dettes que tu portes, tu mets au-dessus. En moyenne, 70% des adultes ont les dettes. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en Europe. Soit c'est une tontine que tu dois rembourser, soit il y a toujours les dettes qui traînent dans l'air. Donc, au bout d'une semaine, quand j'ai analysé mes finances, j'analysais en fonction des pourcentages. Si tu veux faire le héros à Paris, chez toi, tu vas pas dépenser moins de 40 euros. Si tu veux, et supposons dans les 40 euros là, supposons tu manges africain deux fois par semaine. Ça veut dire que tu dépenses 80 euros à la maison pour manger africain. Alors que quand tu manges les pâtes, on ne voit pas ça sur ton front quand tu sors. On ne voit pas que. Mais attends, elle a mangé. Elle a mangé les pâtes. Elle n'a pas mangé le mongo ou le héros. Asseyez-vous, écoutez ce que je dis. Si ça peut vous faire. Oui, après, vous apprenez.
Je parle de pourcentage parce que, supposons par semaine, tu te rends compte que dans la main que tu tiens, bon, mettre tes finances dans l'application, ça va te permettre de comprendre aussi que dans ta main, tu reçois plus que ton salaire. Supposons que tu as un salaire de 60 000 au mois. Quand tu vas commencer à utiliser l'application, tu vas te rendre compte que je ne tourne pas seulement à 60 000. La semaine-ci, j'ai dépensé 30 000. La semaine d'après, 35 000. C'est à mon salaire. La semaine d'après, 25 000. La semaine d'après. Donc, tu vas te rendre compte que ton salaire, c'est un indicatif. Tu vois, le follerait 15 euros de dépenses. Ouais. Je n'ai pas dit qu'en fonction de votre pays, je n'ai pas dit que vous partez. Écoutez-moi bien. Moi, j'ai dit, j'ai pris mes méthodes en fonction de là où je vivais. Au Gabon, la palette d'eau, c'est 3 000 francs. 6 bouteilles d'eau, c'est 3 000. Donc, quand j'ai commencé à mettre les pourcentages, je me suis rendu compte que, premièrement, j'avais dans ma main plus d'argent que je ne pensais. Donc, je touchais plus d'argent que je ne pensais. Deuxièmement, je dépensais plus que je ne me rendais compte. Donc, j'ai dépensé plus que je ne pensais avoir. Parce que beaucoup d'entre vous, je suis sûr que vous dites, vous pensez que vous avez par mois, comme ton salaire c'est 1500 euros, là, tu es sûr que tu es dans les 1500 euros le mois. Ouais, je dépense 1500 euros le mois. Mais fais ton bilan ici, là. Tu vas voir que tu es dans 500 euros la semaine de dépenses. Fois 4 semaines, ça fait 2000 euros. Donc, premièrement, ça m'a permis de localiser clairement mes rentrées d'argent et comment l'argent entrait dans mes mains. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses dans lesquelles j'étais. I was quite good, you know. J'étais quand même bonne dans ça. Mine de rien, je vendais peut-être des beignets, ça me donnait quand même peut-être 45% de mes revenus. Tu vas voir que les choses que tu négligeais, ça a donné quand même un peu d'argent. Les tresses que tu fais par-ci, par-là, là, tu te retrouves à la fin du mois, tu as 500 euros de tresses. Je sais que certains d'entre vous vous simplifiez, mais bon. Quand j'ai pu détecter, j'ai vu qu'en pourcentage, je dépensais presque 25%. Seulement sur les trucs de plaisir. Oh, un petit. Mes brochettes. Oh, oui, sortons un peu, on peut manger. Non, allons dehors manger. Le jus. Tu te retrouves par mois que tu dépenses 25% de ton salaire ou de ton revenu sur les friandises. Ce que j'ai fait la semaine qui a suivi, il y a des règles comme quoi. L'autre que j'ai aussi remarqué, mon loyer. Mon loyer, beaucoup d'entre vous, votre loyer coûte 40 à 60% de votre revenu. Loyer facture. Hein. Donc, genre, tu touches 300 000 et tu te retrouves. Bon, supposons qu'on va prendre en Europe. J'aime bien les pourcentages parce que si quelqu'un me suit à Paris, ou il me suit aux États-Unis, ou bien il me suit. À Yaoundé, quand on va dire pourcentage, il va mieux comprendre. Donc, tu touches 100%. Loyer, 50%. Facture, 15%. On est là dans 65%. Nourriture, 25%. Ça fait combien déjà? 85%. C'est là maintenant que tu vois qu'il n'y a même plus la place pour la dîme. N'est-ce pas? Ok. Donc, j'ai vu ce principe dans le livre de du pasteur Sunday Adelaja. C'est l'un des rares pasteurs qui a été qui est passé dans les revues des Américains. Tu vois, les revues qui prennent les gens comme Tony Robbins, les gens qui ont les coachs qui ont marqué, qui ont impacté le monde là. Sunday Adelaja
Evan Carmichael a eu à faire un reportage sur lui. Il a parlé de ses règles de base de prospérité. Donc, il dit, quand tu... Voilà son ordre. Donc, tracez dans votre cahier, je vais vous montrer les pourcentages. Ton loyer, tu dois faire l'effort à ce que ton loyer ne prenne pas plus de 20% de ton argent. Je sais que quand vous allez, certains d'entre vous sentez le compter actuellement, vous dites que, oh my, oh my, oh, I'm fucked up. Ok, c'est toujours un point de départ, ok? Parce que selon sa théorie, si tu as un objectif, j'ai un objectif, une vision. Quand tu vas réduire les coûts, les dépenses, et malheureusement, quand tu n'as pas un objectif, tu te retrouves en train de dépenser pour impressionner n'importe qui. Ah, vous vous souvenez de la dîme quand l'argent est fini, hein? Ah, poum, c'est bon. Donc tu vas te retrouver là, tu dis, ah, il me faut une paire de chaussures. Alors que tu peux faire sans la chaussure. Tu n'as pas besoin de la chaussure. Tu as encore les chaussures dans la moi, hein? Je vais partir à la réunion l'autre jour. Non, la réunion, j'ai la réunion ce week-end. Vous avez réunion dimanche qui vient après-demain là. Vous voulez partir acheter l'habit pour porter à la réunion, non? N'est-ce pas? Je vais vous taper. Je vais faire l'application qui tape la tête des gens dans le téléphone. Tu vas aller dépenser 15 000 pour aller cotiser à la réunion combien? Tu achètes l'habit de 15 000 pour aller cotiser à la réunion 20 000. Ce n'est pas la folie. Bon, continuons le tableau que je vous ai dit de tracer. Donc, ça veut dire que si tu as un salaire de 1 000 euros, ton loyer doit être dans les 200 euros. Combien d'entre vous, dites-moi un peu le pourcentage par rapport à votre loyer que vous payez. Et pas tu touches 1 500 euros, ton loyer c'est 600 euros. N'est-ce pas? Ok. Je précise que tu fais ça quand tu as des objectifs. L'argent que j'économise, le premier mois, je vais ouvrir mon service traiteur ou mon restaurant. Je suis allé en ligne, j'ai vu. On m'a les mamies chauffantes. Ça va me coûter 600 euros. Mon salaire, c'est 1 500 euros. Mon salaire, c'est 1 500 euros. Si je quitte de la maison où je payais 600 euros ou 700 euros, je réduis, je pars en colocation pendant 1 an ou 2. Pendant que je me construis. Pendant que je construis, on appelle ça le corps, the core of me, le squelette qui va constituer le futur de Jocelyne. Je vous dis parce que je l'ai fait. Me suis retrouvé à un moment, j'ai commencé à avoir l'argent. Et vous savez, l'argent appelle l'argent. J'ai pris un petit truc, studio où je payais 75 000 francs CFA. Alors que quelques mois plus tôt, quand il venait d'arriver au pays, j'étais dans un appartement qui valait 180 000 au mois. J'avais négocié avec le bailleur, il m'a laissé payer 140 000. Moi, il ne veut pas mentir dans le direct. Mon bailleur peut tomber sur ma vidéo ici, là. Il dit que, hey, la fille, c'est moi. Donc, mes voisins payaient 180 000, mais moi, ils payaient 140 000. Je louais ma voiture à 350 000 francs le mois. Et ça, c'est parce que j'ai même bien négocié. Sans compter la nourriture. Donc, je ne vivais pas moins de 700 000 francs le mois au Cameroun. Minimum. Écoutez-moi. J'ai dit minimum. Sans compter mes excès de parfois, ils ont envie de shopping. Je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. My core, mon squelette. Quand il vous dit comme ça, il ne sait pas comment il peut dire ça. Ma fondation a besoin d'être ancrée. Je suis tombé, je suis parti prendre. Déjà, ma voiture, j'ai arrêté. Ce qui fait que quand il voulait, je prenais ma moto. Dans ma garde-robe, tous mes habits, je m'en suis débarrassé. J'ai pris les t-shirts. Et malheureusement, je n'ai pas arrêté l'habitude des t-shirts. J'ai moi mes t-shirts.
Donc, transport, vous connaissez ça, doit là, non? 500 ici, 500 par là, 500. Le premier mois, quand je suis monté dans l'appartement, là, je n'avais même pas assez d'argent pour payer 6 mois de loyer. Tellement j'étais tombé bas. Parce que j'avais fait un investissement qui n'a pas marché, quoi, quoi, là. J'ai perdu l'argent. J'ai seulement supplié la femme là qu'elle prenne 400 000. 400 000, 75 000 de moins. Je ne sais pas combien de mois c'était. Je n'avais pas tout l'argent pour payer ce qu'elle demandait en tout cas. Parce qu'elle voulait 10 mois quand j'entrais, elle voulait 10 mois de loyer. Je n'avais pas. J'ai dit que comme je suis au sol là, à terre, et j'ai fait dans l'appartement là, 2 semaines, je dormais sur la natte de 3 000. Je vous dis souvent ça ici, non? Parce qu'il n'y a pas l'argent pour acheter le matelas. C'est là que j'ai dit que non, je dois passer mes nuits avec mes enseignements. Je prenais d'abord, je n'avais pas encore internet chez moi. Comme tel me demandait 45 000 au mois. Donc, je disais qu'au lieu, comme je n'ai pas 45 000 pour payer une fois, je vais mettre 1 000 francs dans mon téléphone chaque jour. Ça va me faire 1 giga, 1,50. J'écoutais beaucoup d'enseignements la nuit. Je lisais les livres. Et avec le même internet, je coachais les gens. Je faisais tous mes directs de temps là, toujours. Vous voyez, voilà, la période là, je jeûnais aussi beaucoup. Je jeûnais beaucoup. Je demandais la sagesse de Dieu pour pouvoir sortir, pour pouvoir me discipliner d'abord et sortir de cela. Donc vous allez voir que quand même mes photos de 2020, même mes vidéos qu'il y a sur la page en 2020, j'étais très mince. Je jeûnais beaucoup. Et la plupart du temps, je dormais au sol. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie à ce moment-là? La nourriture. La reine Foster, j'étais sortie du tunnel. Je vous dis que si vous prenez les bases cela, vous allez prospérer dans n'importe quelle économie. C'est parce que ma terre, c'est le Cameroun. C'est pour ça que j'ai dû rentrer au Cameroun avant d'apprendre ça. Parce que quand j'étais en Europe, je faisais, mais il y avait toujours un truc qui manquait. Je suis arrivé au Cameroun, j'ai ramé pendant 1 an et demi. Ou 1 an. C'est la deuxième année que j'ai attrapé ce que je vous dis là. Après beaucoup d'échecs. Donc, ton loyer. Et déjà, même quand tu reçois ton argent, tu payes d'abord ta dîme. Donc, ta dîme, c'est 10%. Tu sors, comme tu as reçu peut-être 1 million. 100 000 francs en dîme. Je sais que ça va paraître fou pour certaines personnes. Tu cherches un appartement de 150 000 maximum. 150 000, c'est même beaucoup. Si tu peux avoir 1 million le mois au Cameroun, tu résistes à l'envie d'aller louer une maison de 400 000. Tu vas beaucoup évoluer. Parce que le niveau de vie, le loyer, les voitures, la voiture, ça, c'est un niveau de vie qui demande beaucoup de dépenses. Et parfois, les dépenses peuvent te distraire. Donc, pendant cette période-là, je me suis disciplinée. Je t'assure, j'avais 6 jours de retenue. Un jour de plaisir. Donc, je pouvais aller manger le poisson si je voulais, ou bien les brochettes si je voulais, un jour la semaine. Le reste des jours, je préparais les nourritures qui peuvent tenir dans mon frigo longtemps et que moi-même, je peux manger longtemps. Mon chef, que je ne l'oublierai jamais, c'est le coq. Il y a le coq, il y a la sauce d'arachide, la sauce d'arachide de tapioca. Et il y a le pilé plantain mûr. Voilà les 3 repas que j'aimais beaucoup. Parce que le pilé plantain mûr, je peux manger tous les jours. Le coq, je peux manger tous les jours. La sauce d'arachide, quand il veut faire le tapioca, je bouge seulement l'eau, je verse dans mon tapioca. Je couvre pendant 3 minutes, je reviens, c'est prêt. Parce que j'avais aussi valorisé mon temps de telle façon que je prenais une journée par semaine, je pars à la cuisine, je prépare. Maintenant, les 6 autres jours, je ne perds pas plus de 15 minutes dans la cuisine. Ce qui fait que le temps. Ce temps valeureux, si on dit comme ça là, I value that time, so I could take that time, let's say 2 hours per day, and I would invest it into myself. Donc les 2 heures que je peux passer à la cuisine à tourner, tourner à faire des je ne sais quoi, que tu dis que tu prépares la nourriture, je ne sais même pas quoi là. Les 2 heures là, je prenais ça pour lire un livre, pour coacher quelqu'un, pour faire un direct, pour apprendre à faire une vidéo. Ou bien pour faire une vidéo que je mets en ligne. Mireille, tu n'arrives pas à faire mes astuces, ça veut dire que tu n'as pas encore assez souffert. Tu as compris, ma chérie? Oh, you are. Il faut que tu souffres encore un peu, même 6 mois. Tu as compris, ma chérie? Même ce qu'elle vous disait, ce qu'elle partage avec vous ici là.
Ça, c'est ce que les gens me payent avant qu'elle le dise. Ils me payent. Oui. Je sais que quand elle veut partir, ça, elle vous a dit que ah, la fille là, elle dérange. Après, tu vas zapper. T'inquiète pas, dans 8 mois, tu vas ressortir, ça va résonner dans ta tête. Ça va faire comme la noix de coco qui est tombée sur ta tête, que tu parles. Tu vas dire que, hey, quand tu seras désespéré, le désespoir, c'est une bonne arme. Vous n'êtes pas encore désespéré, Carole, tous les gens là, vous n'êtes pas encore désespéré. Vous aimez souffrir, souffrez un peu. Souffrez, mes filles, mes chéris, souffrez. La souffrance n'a jamais tué quelqu'un de toutes les façons. Tu as compris? La souffrance n'a jamais dérangé quelqu'un. Souffrez. On a encore vu quelqu'un est parti, il est tombé, il est mort parce qu'il souffrait. Il a souffert. Voilà. Donc, je reviens à ce que je vous disais. Donc, si tu as 1 million, tu peux même prendre une maison que tu payes même 100 000 le mois. Donc, ton loyer doit être maximum 20%. De façon idéale, 15% de ton revenu. Si jamais ton loyer s'élève plus que ça, il faut que ce soit un investissement de business. Moi, au départ, ce que je faisais beaucoup, c'est que mon lieu de service et mon lieu de ma maison, même étaient, les deux étaient un même endroit. Vous voulez la conjo. Vous voulez la conjo pour qu'elle fasse des astuces. Mireille, ne fais pas, tu as compris. Mireille, ne fais pas, tu as compris. Oh, you are. Oh, you are. J'aime quand les gens souffrent. J'aime vous voir souffrir. Ça me plaît. On doit le savoir, vous rejetez le savoir. Non, ne fais pas, non. Okay. On va souffrir, on va t'humilier. C'est même l'argent des garnitures, on t'insulte avant de te donner. C'est là que tu confirmes, tu lis le. Tu lis le sur le calendrier des Badjounais. Tu dis yes. C'est Tamko. Ah, Tamko. Quand j'ai commencé à préparer ma nourriture, je faisais 3 repas par semaine. Mettez dans mon frigo. Et ma fille et moi, je lui avais dit qu'on mange ce qu'on veut une fois par semaine. Il fallait acheter des équipements. Caméra, ordinateur, ring light. Il fallait équiper le studio de lumière au-dessus. Il fallait... Quand quelqu'un venait chez moi chaque semaine, il voyait quelque chose qui avait augmenté. Je vous assure. Il m'a dit que... Même aujourd'hui, quand les gens viennent souvent chez moi, ceux qui sont venus en février, et après tu viens en août, tu dis que mais la maison s'est changée. Hein? Je vous dis toujours, hein? Ce que j'ai développé, ça fait 3-4 ans. C'est la même chose que je fais maintenant. Je crois au principe de la semence. Je crois au principe du petit à petit. Petit à petit, tu commences avec une assiette, une marmite. Une marmite. On te regarde, on passe, on t'insulte. La semaine, si tu économises, la semaine prochaine, tu achètes la deuxième marmite, tu mets à côté. La semaine d'après, tu achètes les chaises, tu mets. Et que tu as déjà ton tableau qui a ta liste des choses que tu as prévu d'acheter chaque semaine. Au bout de 2 mois, quelqu'un passe, il dit, yé. C'est le restaurant de la fille ici. Ah. Après, tu prévois la peinture. Tu achètes la peinture, tu déposes au sol. Après, tu vois qu'il n'y a pas l'argent de ça. Tu passes sur YouTube, tu regardes comment on fait. Tu appelles même 4 petits garçons au quartier là. Tu leur donnes même 1000 francs la journée. Tu les diriges seulement. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Toi, tu es le chef chantier. Chef chantier. Lundi, quand les gens viennent manger, ils voient qu'on a des appels. Ils sont choqués. Mais mamie, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a financé? Non, non, non. Non. On ne m'a pas financé. Renfoster, quand tu venais à ma cape et tu voyais, non?
On ne m'a pas financé. Comme Abraham disait que personne ne peut se mettre, il dit que j'ai rendu Abraham riche. Parce que je suis convaincu que mon cerveau, c'est là. Et ma discipline, avec ma vision. Ne soyez pas belle et bête. Tu vois, tu es belle comme ça, là, dès que tu ouvres la bouche. Tu veux me prêter 5 000, s'il te plaît? Ouais, j'ai pas l'argent pour. J'ai pas. Bon. Ce que j'ai remarqué pendant que, quand je m'étais disputée sur la nourriture, c'est que j'étais très focus. Et la période là même, l'esprit m'a conduit à aller raser mes cheveux. J'avais rasé mes cheveux. Parce que j'avais remarqué que je réfléchissais trop sur les modèles des cheveux. Ah, qu'est-ce que je vais tresser cette semaine? Je tourne, après je dis oui, ça va me coûter 15 000. Oui, ça va me coûter ceci. Après je tourne encore, après je... Ok. Quand j'ai rasé mes cheveux, même quand un gars me regardait, t-shirt noir, cheveux coupés, pas de drague, pas de distraction, pas de tourner la tête, je t'admirais, pardon. Moins de distraction sur mon chemin. Et on m'a conseillé que quand j'ai arrêté de manger en désordre, d'accepter les invitations des gens en désordre, j'ai commencé à être focus. Je me disciplinais plus. Donc, je pouvais souvent rester au salon. Et même pour gâter alors le tout, je jeûnais même plus. Parfois, je jeûnais même 3 jours par semaine. Je faisais même 3 jours de jeûne. Donc, imagine quand tu ne manges même pas d'abord en route et que tu jeûnes encore même au-dessus là, c'est grave. Je suis rendu compte de la période là que je me disciplinais beaucoup. Quand quelqu'un venait, même il venait avec un esprit faible. Marie, je n'arrive pas à faire ça. Je n'arrive pas à faire ça. Je parle à la personne, ça secoue son esprit. Tu vas te réveiller à 6 heures, tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Ok? Oui. Je te paye combien? Je me suis rendu compte que ma discipline avait commencé à attirer les gens. Et ils me payaient pour avoir un peu de ma discipline. Voilà un coach. Et vous qui attendez d'être aussi belle que le dit Sonia, pourquoi on vous paye pour votre coaching là? Vous allez attendre longtemps. Vous attendez d'avoir les perruques pour mettre comme pour elle. Voilà mes cheveux, non. Quand vous venez pour me payer, pour que vous, est-ce que vous regardez mes cheveux? C'est ce qu'il y a dans moi que vous cherchez, non? N'est-ce pas? J'avais tellement travaillé pour mettre des choses dans moi. Beaucoup. Je dis bien beaucoup. Parfois, je me lève à 4 heures. Je mets un livre audio. Et YouTube nous a gâtés avec les livres audio aujourd'hui. Je mets le livre, j'écoute, je prends des notes. J'écoute, je prends des notes. J'écoute, je prends des notes. 7 heures, je fais le direct sur le livre que j'ai écouté la nuit. J'enseigne. J'enseigne. Parfois, j'écoute le livre en anglais, j'enseigne en français. Donc, quand tu vas commencer à te discipliner personnellement d'abord, peu importe le domaine d'activité que tu auras choisi, ta discipline va commencer à attirer les clients vers toi. Parce que le client va venir, il va voir. Je ne vais pas vous mentir. Moi, j'aime la parole. J'aime les gens qui sont les gens de parole. Tu achètes des perruques, après tu revends. Hein. Tu es en transformation. Rien de fausse. Tu es en transformation, tu ne connais même pas. Tu es en métamorphose. La femme leader qui est en toi a besoin qu'on casse la carapace. J'ai mis ceux qui me regardent mon WhatsApp privé là. J'ai certaines photos que j'aime bien regarder, des photos de 2016, 2017, 2018. Avant là, je mettais beaucoup le make-up. J'aimais ça. J'ai passé mes journées que sur ça. Je pars au shopping, au city center, je regarde les choses, j'achète. À un moment, I grew weary out of it, you know. Je me suis fatigué de ça. J'ai commencé à nourrir la femme qui est dans moi. Donc, cette loi dit que 15%, 15 à 20%,
loyer. Mais avant ça, tu paies ta dîme. Facture maintenant, fais de ton mieux pour que tes factures aillent dans les 5, 8, 10%. Économise s'il le faut. J'ai vu la facture Enéo qui est venue, c'est ce mois-ci. C'est venu à 25 000. J'ai dit, c'est bien. J'ai mis les fenêtres coulissantes là-bas au bureau. Je me rends compte, avec le grillage. Ouvre la fenêtre, tu mets le grillage. Au lieu de venir me mettre la clim dans la journée. Même moi, quand je suis au bureau, je ne mets pas la clim. Moi, je vous dis. Je n'ai pas ma honte. Moi, je vous dis. Si je suis chaud, je ne vais pas m'asseoir dehors avec mon chien. Après, je rentre encore dedans. Et vous allez voir que quand quelqu'un n'a pas encore compris ce que je vous explique, c'est. Parce que ce qui te permet d'investir et d'acheter les choses que les gens ne peuvent pas, c'est parce que tu économises sur les points que les gens dépensent n'importe comment. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a des gens riches que quand vous arrivez chez eux, vous vous rendez compte qu'elle arrive au supermarché, elle finit ses achats, elle s'arrête, elle regarde la facture. Ça, c'est des choses qu'avant, je ne faisais pas. Quand j'achète, je m'arrête devant la caissière ou bien je me pousse un peu à côté. Je prends, je regarde ma facture, je regarde, je check. Ok, ici là, vous avez dit que c'est 3 000 francs. Pourquoi m'avez-vous mis 500 chacun? Madame, regardez. Oui, donne-moi mes 500. Je vais donner un mendiant là-bas dehors, ça va m'aider. Ce que tu économises sur des choses que les gens trouvent futiles, ça fait que sur d'autres endroits, tu as de quoi dépenser. Vous me suivez? Toi, tu vas voir un riche va te dire qu'il n'a pas fait le don à l'orphelinat. Chaque mois, il supporte même 3 orphelinats. Il envoie peut-être 60 000 francs. Mais quand tu arrives, tu vas voir chez lui qu'il a mis certaines fenêtres ou il a mis les panneaux solaires qui font qu'il économise l'énergie. Supposons qu'il économise dans sa facture 50 000 le mois. Les 50 000 là, il peut prendre, il va donner à l'orphelinat sans souci. Ça ne sort pas de son autre argent, de son business. Et ça, si vous comprenez un peu ce raisonnement, le pauvre va se dire, tu arrives dans une pièce, la clim est là, les fenêtres sont ouvertes, tu laisses. Le chauffage est allumé, les fenêtres sont ouvertes, tu laisses. Après, la facture vient 300 euros. Alors que tu aurais juste pu dire, tu précises aux enfants, assurez-vous, on met le chauffage de telle heure à telle heure. Quand on n'est pas en bas de chaud, on met les chaussettes, on met le pull. En hiver, tu vas rester à la maison en t-shirt ou en truc parce que. Oui, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Et vous allez remarquer que les gens là que vous dites, vous les appelez riches. Ils ne se voient même pas riches. Ils ont une autre dimension. Tu vas voir une fille, elle va se réveiller le matin. Ah, je vais porter quelques chaussures. Il faut que j'achète une nouvelle paire de chaussures qui va marier la chaussure ici-là, qui va. Le riche, 5h30, il envoie la main dans la moi. T-shirt. Son pantalon Lewis qu'il a acheté à. Levi Jean là, qu'il a acheté à 300 euros. Ça fait 5 ans. Il a comme ça là 3. Avec sa bonne chaussure solide, la Timbaland. Papa, il porte, c'est confortable, durable, easy. Ses pensées sont focus. Il arrive dans une salle, voilà ce que ça m'épargne. Je ne cherche pas à impressionner les gens. Oh, est-ce qu'elle est bien habillée plus que moi? Pourquoi j'achète aussi le genre de haut là? Mais c'est bien. Quoi? Moi. Moi, quand j'arrive là, je m'assois. Tu penses à quoi? Non, je pense au nouveau bureau qu'on devait ouvrir là-bas. Tu vois, j'ai pensé, l'autre jour, ils m'ont fait les rapports, les chiffres. Je vois que si on coupe un peu les coûts là-bas et puis on fait comme ça, voilà là où ma tête est. Voilà là où ma tête est. Même mes employés connaissent que si tu t'envoies, tu peux acheter. Je t'envoie acheter la marchandise au marché. Tu peux acheter chez le détaillant.
On a augmenté 500 francs par article. Tu achètes 20 articles, tu viens me donner. Je vais couper sur ton salaire. Parce que tu dois prêter attention. Le grossiste te vend ça à 900. Le détaillant te vend ça à 1000 francs. Tu ne peux pas te poser la question. Ou bien tu arrives chez quelqu'un. On sait tous que quand on achète quelque chose, beaucoup. Tu arrives dans une boutique. Tu veux prendre 20 bouteilles de lait. Ce n'est pas Carrefour, bien sûr. Tu peux voir la personne qui vend. Tu dis, voilà, je prends 20, non, diminue quand même un peu l'argent. C'est comme ça que je teste mes employés pour voir celui que je peux donner la promotion. Elle dit que, Marine, c'est vrai que tu ne m'as pas dit que je pouvais demander la réduction, mais tu sais, j'ai vu le vendeur, je lui ai dit que voilà, on achète quand même 40 bouteilles. Fais-nous quand même une petite réduction. Il a réduit 50 francs par bouteille. Madame, voilà, je vous ai économisé 20 000 francs CFA, ou bien je vous ai économisé 720 francs. Il dit, ah, voilà quelqu'un qui n'est pas seulement là pour demander son salaire. Il cherche l'argent qui va aussi entrer dans mes poches pour que je lui paye encore plus. C'est un mindset. Donc, dans cette grille de prix que je viens de vous donner, je sais que le loyer, ce sera votre bête noire pour l'instant. Mais comme je dis, c'est quelque chose que tu vas travailler progressivement. Peut-être pendant que tu me suis, tu as encore peut-être 6 mois de loyer là où tu es. Et ton loyer, peut-être c'est 300 000, 200 000, supposons. 200 000, soyons gentils. 200 000. Tu touches peut-être 1 million le mois. Et tu as des objectifs. Tu veux peut-être ouvrir un restaurant qui va te coûter 5 millions. Tu as un objectif de d'ouvrir ton tour là en 5 mois. Tu sais qu'avec ton coût de vie actuel, en 5 mois, tu ne peux économiser maximum 2 millions. Il va falloir que tu sers ici. Tu sers là-bas. Maintenant, il y a un truc sur l'argent. Quand tu commences à avoir l'argent, à garder l'argent. Bonjour, Reine Aceta. Quand tu commences à garder l'argent, l'argent que tu gardes appelle encore l'autre argent. Parce que quand tu gardes l'argent, tu enlèves l'esprit de manque. Il y en a parmi vous, on est en fin du mois, non? Votre compte est vide. Pour les achats de maison en Europe, je parle plus des gens qui sont dans l'entrepreneuriat. Parce que beaucoup d'entre vous m'écoutez, vous avez déjà acheté la maison. Donc là, c'est déjà mort. Maintenant, je suis plus pour... Je me serre la ceinture, je sème. Ça me produit. Parce que si tu ne sèmes pas aujourd'hui, dans 5 ans, tu n'auras rien. Tu auras toujours ton salaire. Par contre, si tu prends ton salaire, tu serres la ceinture. Tu prends 6 mois ou 1 an. Tu commences maintenant à planter. Tu plantes ici, tu plantes là-bas, tu plantes là-bas. Au bout de 10 ans, tu auras des fruits qui vont commencer à venir. Ce qui fait que le crédit de la maison que tu payais aujourd'hui, ça te coûtait peut-être 50% de ton salaire. Dans 5 ans, tu vas te retrouver avec d'autres sources de revenus qui vont s'accumuler sur ce que tu avais déjà depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ça va faire que ton crédit, au lieu d'être 50% de tes revenus, le crédit que tu rembourses à la banque sera maintenant 20% de ton revenu. Ce qui fait que tu as moins de stress. Les gens que vous voyez là-dedans, ils ont réussi. C'est parce qu'ils ont réfléchi et ils ont sué. Ils ont dû serrer la ceinture. Ils ont dû développer une vision, planter dans ces visions, pas seulement une vision. Ces visions. Je ne passe même pas sur le fait que tu peux économiser comme ça, quelqu'un vient porter pas avec, ou tu donnes à un membre de la famille. Je ne veux pas vous moquer de vous. Je sais que vous en avez eu, ok? Tu as un membre de la famille qui vient. Il dit, je vais gérer. Il prend tout ton argent. Il mange avec les filles là-bas dehors. Donc, je ne passe même pas sur l'autre aujourd'hui. Mais moi, j'aime quand mon argent est à côté de mes yeux. I like to see my money. Il n'investit pas là, on ne peut pas toucher. Si il fait l'erreur, j'investis un truc qu'il ne peut pas contrôler. C'est ce qu'il veut fermer. Oui. Pour avoir une discussion, il faut payer la consultation. On dit comme ça. Les numéros sont en haut là-bas. Bon, essayons de continuer. Dans ces pourcentages, tu dois prévoir
5% pour tes offrandes. Donc, si tu touches 1 million, tu dois prévoir 50 000 par mois pour donner aux gens. Ça peut être que tu donnes. Parce que quand tu donnes, ça te donne un pouvoir. Jésus a dit que c'est encore plus. It is more blessed or blessing. It is more blessing or blessed to give than to receive. On est encore plus béni quand on donne que quand on reçoit. Donc, développe l'habitude de donner aux gens. Dans ça, maintenant, tu dois mettre 20 à 30% de côté, qui est ton économie. Donc, tu dois économiser de l'argent. Et en économisant, tu dois avoir un objectif sur cet argent. Maintenant, il y a un autre pourcentage qui est aussi important. Il y a l'économie. Il y a... Lisez ce que vous avez écrit sur votre papier. J'ai mis la dîme, les dons, l'économie, les dettes. Voilà. Quand tu dois à quelqu'un, ne porte pas tout ton argent pour aller le rembourser. Ça va t'affaiblir. Même si tu as la possibilité de payer la personne, ne vide pas ton compte, tu peux payer la personne. Supposons que tu as 10 millions. Quelqu'un vient et dit que tu lui dois 9 millions. Tu portes tous les 9 millions, tu vas lui donner. Du jour au lendemain, tu vas quitter les 10 millions à 1 million. Tu peux entrer en dépression. Donc, un pourcentage, c'est un pourcentage pas pour rembourser la dette. Tu fais un arrangement avec l'entité, la compagnie, la personne. Tu dis, bon, voilà, moi, je vais vous rembourser. Telles sont, même la banque n'a pas le droit de prendre sur ton salaire plus de tiers pour rembourser un crédit. Parce qu'ils savent que tu as besoin de vivre. Donc, négocie avec la personne. Et puis, chaque mois, tu payes un peu, un peu. Et chaque mois, tu économises un peu, un peu. Maintenant, il y a les courses de la maison, les loisirs. Les courses, tu peux les mettre dans les 15%. Quand il dit, vous en répartissez avec votre loyer, que votre revenu actuel est, vous voyez un peu. Et puis, il y a les trucs comme les assurances, les petits, les assurances téléphone, assurances, ceci. Ça s'appelle entre 5 et 10%. Maintenant, ce qui est bien quand tu es en train de rembourser les dettes, c'est que si actuellement tu économises 20% et tu rembourses tes dettes 20% ou bien 10%, quand tu vas finir de rembourser tes dettes, les dettes, tu les bascules en économie. Gaël, je sais que ce n'est pas facile, mais ça, ça marche dans tous les pays. Chacun qui décide. Il y a une dame qu'on appelle... Lisa Nichols. J'ai suivi son histoire une fois. Lisa Nichols, allez la chercher en ligne. Son histoire, elle la partage avec tout le monde. Elle dit qu'elle était pauvre, sans argent, avec un enfant en charge. Elle a décidé donc pendant 3 ans. Bonjour, parfaite. Je serai à Abidjan la semaine prochaine. Fin de semaine prochaine. Donc, elle a, pendant 3 ans, elle ne faisait plus ses cheveux, elle ne faisait plus les ongles. Elle quittait un appartement de 3 chambres et vers son fils. Elle a pris une chambre dans la maison de quelqu'un. Elle a fait la colocation. Et en 3 ans, elle a économisé combien? 65 000 dollars. Elle dit que tout petit argent qu'elle avait, 5 euros, 5 dollars où elle mettait en banque. Un peu ceci, elle met en banque. Elle ne faisait pas les sorties, elle ne mangeait pas le McDo avec l'enfant, rien. Tout, il mangeait à la maison. Actuellement, c'est l'une des femmes noires les plus riches des États-Unis. Et le jour où elle est arrivée à la banque, elle a demandé qu'il y a combien dans mon compte d'épargne de 3 ans d'économie.
On a dit 65 000 dollars. Elle a dit à son fils, enfin, je peux financer mon rêve. Toi, quel est ton rêve? Parce que tu attends toujours que les gens viennent. Tu attends toujours qu'une banque te voie et te dise, oh, waouh, on a vu ton talent, waouh. Tu attends depuis 5 ans, non? Personne n'est venu, non? Personne ne t'a ouvert ton restaurant, là, non? Je me dois sommeil. Il va dormir. Bonsoir, Lise. Oh, j'ai à finir. Je vous ai donné beaucoup de choses ce soir. Je vous ai donné beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je suis fatiguée comme ça, là. Je vous ai donné beaucoup d'énergie. J'ai même plus envie de parler, même un mot. Ceux qui ont écouté ce que j'ai dit, ils ont écouté. Tant mieux. Je vous bénis. Je vous bénis, ok? Maintenant, quand tu économises un peu cet argent, il y a des règles à respecter. Genre, ne peux pas donner ton argent à un novice. Tu peux voir ton oncle qui n'a jamais fait le restaurant. Et il te dit qu'il peut gérer un restaurant. Tu prends tes 10 000 euros que tu as économisé, tu peux pas lui donner. Tu es fou. Tu vois quelqu'un qui ne connaît rien aux bijoux, il te dit qu'il va aller en Turquie acheter les bijoux en or. Tu portes des 5 millions, tu lui donnes. Il parle à bon l'arnaque. Il revient et te dit, ouais, je suis désolé. Tu as perdu. Une fois que tu as accumulé ton argent, ne tente pas de donner à quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Bêta, tu prends même un peu sur l'argent là, tu peux donner à quelqu'un qui te conseille. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, payez vos consultations. Attendez, vous tapez un peu. Toc, toc, toc. Et tape vos têtes là. Et tape vos têtes. Voilà. Parfois, l'argent que tu économises là, tu pars, tu payes. On te forme, on t'apprend. Comment créer ça? Comment faire telle chose? Tu as acquis un savoir qui va te permettre de prospérer dans ce que tu fais. Pas vos apprentissages du quartier là. Bon, bonne nuit, bye bye, bonne nuit. Partagez ma vidéo. Vous allez devenir riche. Moi, je vous dis ça tous les jours. Vous allez devenir riche. Le gré de force, ça va entrer. Ah, coco. Ah, coco. Ça va entrer dans vos têtes. Bye bye.